Au monde, le COVID-19 a engendré plus de 200 000 décès et plus d'un million de guéris. Mais comment notre corps se défend-il? Le corps est doté d'un vrai arsenal, le système immunitaire, ses soldats, les globules blancs. Alors en premier rang, on trouve ce qu'on appelle les barrières naturelles, qui se divisent en deux types. D'un côté, les protections chimiques, de l'autre, les protections mécaniques. Commençons d'abord par les protections chimiques. Alors, on trouve les larmes, la muqueuse nasale, ces substances se trouvent dans notre nez. Encore, la salive assure dont son pH atteint 3,5. Et enfin, les sucs gastriques, son pH arrive à 1. Alors, de l'autre, on trouve les protections, comme j'ai dit, les protections mécaniques. Ce sont les cils de la trachée, la peau ou la muqueuse. Encore, la muqueuse, c'est une substance qui se trouve dans notre estomac. Parfois, cet agresseur est plus fort et plus fort. Il échappe aux mailles du filet. Lorsque la barrière de la peau est franchie, plusieurs bactéries et virus s'infiltrent. Mais cependant, des cellules du système immunitaire, les cellules sentinelles circulant dans le sang ou dans la lymphe, ce sont des vrais gendarmes, ces cellules. Ils veillent toujours à aucun envahisseur n'entre. Des cellules nommées les mastocytes sécrètent une solution, ce qui provoque le gonflement et l'imperméabilité des vaisseaux sanguins. Des cellules nommées les macrophages entrent en action. Leur pouvoir leur permet de neutraliser l'agresseur. Première étape, on trouve l'adhésion. Deuxième, la gestion. Troisième, le macrophage digère, mange la cellule. La troisième, la digestion. Et la plupart des résidus sont rejetés, ce qu'on appelle l'expulsion. À la fin, la phagocytose. Parmi les cellules, on trouve des cellules présentatrices de l'antigène. Ce sont une sorte de cellules qui présentent l'agresseur aux autres cellules immunitaires. Cette cellule garde toujours un fragment de l'antigène comme, disons, un souvenir de la bataille. Ce phénomène que j'ai expliqué s'appelle la réponse inflammatoire et il est le premier rang de notre défense. Mais malheureusement, il y a des agresseurs plus costauds, plus forts, parviennent à survivre de cette bataille. Mais la guerre n'est pas finie. Dans la deuxième ligne de défense, on trouve l'immunité adaptative. Malheureusement, elle est plus lente à se mettre en place. Et parfois, des virus dangereux comme le COVID-19 et encore des virus cancéreux prennent le dessus. Dans cette deuxième ligne de défense, il y a les lymphocytes, des cellules immunitaires. Le problème, comme j'ai dit, ils sont lents. Ces lymphocytes doivent être éduqués pour éliminer cet agresseur. Ce que vient le rôle des cellules présentatrices, les CP1. Le rôle est d'enseigner, d'éduquer ces lymphocytes B. Il éduque l'art du combat contre ses agresseurs. Mais pour cela, le CPA doit entrer en contact avec un lymphocyte B non éduqué dans l'université, les ganglions lymphatiques, si j'ose dire. À la fin, les lymphocytes B auront la doctorat spécialisée pour attaquer tel ou tel envahisseur. On dit dans le jargon que le lymphocyte B est devenu immunocompétent. Ensuite, le lymphocyte B
émet l'alerte générale. Puis, des cellules militaires, les lymphocytes T, entrent en guerre. Ils vont se fixer sur la cellule infectée et reconnaître l'antigène qui se trouve à sa surface. Et puis, ils vont libérer des cytotoxines, ce qui va provoquer des lésions de la membrane et la cellule est détruite et l'envahisseur mourra. Mais cependant, ça ne marche pas toujours plus facilement. Comme la tuberculose ou d'autres maladies cancéreuses et encore ou encore dangereux, ces agresseurs parfois gagnent la bataille. Cependant, n'oubliez pas toujours de respecter les gestes barrières. Ce sont des gestes très simples. Laver les mains, ne pas toucher. Si on n'a pas lavé les mains, notre nez, notre bouche ou nos yeux, tous contre le Covid-19 et à bientôt pour la semaine prochaine. Au revoir.